Le moindre geste fait dans un esprit de conciliation porte en lui-même la grande promesse de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui met au cœur de l'homme le véritable esprit de communauté, la confiance mutuelle, l'affection, la bonté profonde, car il est un Dieu qui aime les hommes. N'est-ce pas ce que, ouvertement ou en secret, tous les hommes attendent ? Le disciple est prêt à aller à la rencontre des autres et à faire le premier pas. Il devient alors la lumière qui luit au milieu des ténèbres et des péchés du monde. Matthieu 5, 14. En pensant, parlant et agissant ainsi, il est associé à Jésus et à sa mission. Il se voit introduit auprès de Dieu, le Père des Lumières. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. 1 Jean 1, 5, 2, 10. C'est encore dans cette direction que nous oriente la parole de Jésus en Matthieu 5, 21, 24.